Bonjour, alors aujourd'hui une petite recette hyper simple à base de courgettes. Donc pour ceci vous aurez besoin de courgettes que vous aurez coupées en morceaux. Dans une poêle vous mettez un peu d'huile, une échalote, vous faites revenir vos courgettes avec du sel et du poivre. Ensuite, vous prenez un moule à tarte. Vous venez graisser. Donc moi là, j'ai mis un peu d'huile d'olive et je frotte bien tout mon moule ainsi que les bords du moule. Une fois les courgettes cuites, eh bien vous mettez de côté, vous les réservez. À cela, on va venir ajouter du fromage. Donc là, vous voyez, c'est du chèvre doux. Nous allons venir rajouter, donc vous écrasez à la main, à la fourchette, peu importe, vous faites comme bon vous semble. Et aussi du comté. Et oui, pour ma part, du comté, donc j'ai mis 100 g de comté. On vient mélanger le tout. On reprend donc son plat. On vient tout mettre, notre préparation de courgettes et fromage. On étale, on essaie de faire quelque chose d'uniforme. Voilà. On essaie de mettre un peu partout. Et ensuite, une fois que cette étape est faite, eh bien, on vient prendre notre pâte feuilletée. Et voilà. On la pose dessus directement. On refait les bords correctement. On les replie. Et on enfourne le tout à peu près à 200 degrés. Donc tout dépend des fours. Moi, ça a mis 25 minutes. Et ensuite, vous retournez votre tarte. Donc une tarte tatin aux courgettes.